Jésus, tu bénis ta parole maintenant, ta parole qui est cette source de vie, cette source de la foi, cette source de l'espérance, cette source de l'amour. Merci Jésus de visiter ton Église, Seigneur, et de parler à nos cœurs, nous garder aussi d'être conditionnés par les médias, par la haine ambiante. Seigneur, merci là aussi de nous donner, Seigneur, ton cœur et pas le cœur du monde. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. On a vu lors des précédentes prédications que j'ai apportées avec 1 Corinthiens 1, Corinthiens 2 aussi, l'importance de recevoir la pensée du Christ et finalement un retour à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et la croix de Christ révèle la puissance de Dieu et c'est par sa mort, sa résurrection, qu'on trouve le pardon du péché et la vie éternelle. On peut avoir plein d'autres choses, plein d'autres formations, plein d'autres connaissances, mais la seule chose qui suscite, qui procure, qui conduit à la vie éternelle, ou la seule personne, c'est Jésus-Christ, bien évidemment. Et Jésus-Christ crucifié va rappeler l'apôtre Paul. Avoir la pensée de Christ, c'est se comporter en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça, avoir la pensée de Christ, se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Et là aussi, à chaque chose, chaque événement, que ce soit dans une église, bien évidemment, là on a la face de circonstances, mais aussi lorsqu'on est sur une place de travail, lorsqu'on est avec des voisins, lorsqu'on est au café, c'est se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Car l'Esprit de Dieu ou de Christ témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu ou devrait témoigner. Et si ce n'est pas le cas, on devrait se poser la question, mais pourquoi je ne suis pas dérangé par telle ou telle chose ? Avoir l'Esprit de Christ, cette pensée finalement, agir, aimer toujours plus comme Christ, ou en tout cas de le souhaiter. Et la solution en toute chose à nos problèmes aussi, est en Jésus-Christ crucifié. Oui, Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné des capacités de créer, Dieu a donné l'intelligence, Dieu a donné la science aussi, et à l'être humain, la capacité de comprendre. Il y a la médecine aussi, que Dieu a donné l'intelligence, avec toutes ces choses, mais en finalité, c'est Dieu qui tient la vie dans ses mains. Et la solution est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié. Personne d'autre pourra nous pardonner les péchés. Personne d'autre pourra nous conduire à Dieu, si ce n'est Jésus-Christ. Et en ce week-end de l'Ascension, jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques, j'aimerais parler un petit peu du retour de Jésus. Et le thème de mon message, c'est d'être dans l'attente du retour du Christ, être dans l'attente du retour de Jésus. Et si vous ne l'avez pas remarqué, en entrant dans l'église, vous voyez à l'entrée un petit peu le slogan des églises de réveil, l'évangile aux quatre angles, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de son esprit et Jésus revient. Jésus revient. L'Ascension, eh bien oui, on se souvient qu'un jour, il y a 2000 ans, plus ou moins, Jésus est monté au ciel, mais Jésus revient. Et le thème de mon message ce matin, eh bien, c'est d'être dans l'attente du retour de Jésus. Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, commence son récit par l'ascension de Jésus dans le ciel. Bien qu'il ait déjà relaté cet événement à la fin de son évangile, l'évangile de Luc, il le raconte à nouveau dans le livre des Actes des Apôtres, ça ne formait qu'un livre à l'époque, c'était une suite, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Parce qu'il va arriver, la venue du Saint-Esprit et toute l'œuvre qui devait en résulter jusqu'au bout de la terre découle de la présence de Christ dans la gloire. Dans Jean 16, verset 7, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. » Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je ne sais pas, j'ai émis parfois la nostalgie de me dire « Ah, si j'étais du temps de Jésus !» Puis tu sais, tu peux prendre, pas un café, ça n'existait pas, mais tu peux t'asseoir à une table et prendre un repas avec lui.
Et puis là, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, pas de nostalgie à avoir. Pas de nostalgie à avoir. On est privilégié par rapport aux apôtres, aux disciples qui ont marché avec lui. Et Jésus dit, c'est avantageux. Donc, c'est avantageux. Si c'est Jésus qui le dit, c'est pas à remettre en question. Je n'ai pas à nourrir une certaine nostalgie. Ah, si j'étais du temps de Jésus, si j'étais du temps du Christ, non. Et de plus, ce début du livre des Actes, acte 1, confirme que tout ce que feront les apôtres correspond aux ordres qu'ils ont reçus du Seigneur. On le verra au verset 2, au verset 8, et qui va justifier leur service. Il va dire « Vous serez mes témoins », leur dit Jésus. Être témoin de Jésus, c'est juste incroyable. Témoigner du Christ. Et ils devenaient les gardiens des vérités merveilleuses qui concernaient Jésus. Et celui qui avait souffert était maintenant vivant. Au verset 3, on le lira tout à l'heure, élevé dans le ciel sous leurs yeux, au verset 9, il reviendrait de la même manière selon la promesse. Cette promesse qui a été communiquée par des anges, on le verra au verset 11, eux auraient annoncé ces choses par la puissance du Saint-Esprit qu'ils allaient bientôt recevoir, acte 1, 8. Et le premier rendez-vous des disciples après l'ascension du Seigneur est consacré à la prière. Oh non, pas encore prié, hein. Souvent, les réunions de prière dans les églises, enfin, on pourrait dire que ce n'est pas les plus fréquentées. Et là, on voit que dès que Jésus est remonté au ciel, finalement, tout le monde s'est rué pour prier. Je me pose la question des fois, mais pourquoi ça me fascine? On doit se faire violence pour prier. Parfois, il y a des longs temps de silence dans les temps de prière aussi. Pourquoi? Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi c'est si difficile de communiquer avec notre Papa Céleste? C'est la prière, notre Père qui est aux cieux. Ou mon Papa Céleste. Pourquoi c'est si difficile de parler avec mon Papa Céleste? Et là, dès que Jésus est monté au ciel, on le lira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à Jérusalem pour prier ensemble, pour louer Dieu, dans cette attente du Saint-Esprit, de la promesse. Et parvenu à la fin de l'histoire de l'Église sur la terre, faisant en sorte de ne pas être absent à la réunion qui sera peut-être la dernière avant son retour. Dans Hébreux 10, verset 25, il est écrit, Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Là encore, pressons-nous, courons dans la présence du Seigneur avec d'autres frères et sœurs. Même si on peut le faire seul, hein, et c'est très bien d'ailleurs, mais là, l'auteur du livre des Hébreux, on ne sait pas trop qui l'a écrit, pour moi c'est Paul, mais rien ne le prouve, dit « N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous. » Exhortons-nous, ça veut dire que c'est difficile. Ce n'est pas naturel, on doit se faire violence. Si c'est mis « exhortons-nous », ça veut dire qu'on doit s'encourager. C'est que c'est pas forcément facile. Donc, encouragez un frère, une sœur. Peut-être vous n'avez plus vu, ou peut-être qu'elle est découragée, vous savez qu'elle est découragée à dire « mais j'ai besoin de toi. Je t'exhorte, je t'encourage à venir dans la présence de Dieu. » Parce que c'est bientôt le jour, le grand jour, où on pourra crier « Hosanna, viens Seigneur, viens !» Dans Luc 24, 50 à 53, il est écrit, et c'est la fin du livre de Luc, « Il les emmena jusque vers Béthanie, donc Jésus venait de passer après la résurrection 40 jours avec ses disciples. » Il a vu encore plein d'autres personnes juste après la résurrection sur terre. Et là, c'est dit, il les emmena vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Waouh! Je ne sais pas, vous avez passé 3 ans avec Jésus.
vu des miracles, vu Jésus marcher sur l'eau, enfin, vu le Rhône se transformer en vin, pendant un mariage. Enfin, il y a plein de choses que vous avez vues. Et là, ce Seigneur, vous pensiez qu'il allait renverser les Romains, parce que c'était la terre d'Israël était occupée par les Romains, hein, qu'on ne l'oublie pas. Et là, il y avait les Juifs qui étaient tolérés sur cette terre. Tiens, ça nous rappelle l'histoire actuelle, hein. C'est pas juste maintenant que ça se passe comme ça, mais à l'époque, c'était les Romains qui étaient là et qui toléraient un petit peu les Juifs. Maintenant, c'en est d'autres, hein, qui tolèrent ou qui ont envie justement de les virer, tout simplement. Les virer, mais ça, c'est la parenthèse. Mais là, ils sont là et ils se disent, mais ils vont... Jésus, là, qui a marché sur l'eau, qui a changé l'eau en vin, qui a ressuscité Lazare, eh bien, il va chasser ces Romains. Mais là, Jésus, il part. Puis il leur dit, et c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Finalement, tout ce qu'ils avaient vécu, ils se disent, on doit leur construire. Lisons Actes 1, 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc le premier livre, c'est l'évangile de Luc, même s'il y a Jean entre dans nos Bibles, le premier livre, c'est Luc, et après, il y a Actes. Donc ça, c'est juste pour votre connaissance, si vous ne le saviez pas. C'est la suite. Et c'est Luc qui a écrit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Vous voyez, hein, il se dit, tu rétablis le royaume là? Ils n'avaient pas compris. Hein. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il leur gardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Il y a un petit peu plus de précision dans le livre des Actes des Apôtres où Luc va dire qu'il y a des anges qui se sont présentés à eux, des hommes en vêtements blancs qui se présentent à eux et disent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus enlevé, il reviendra de la même manière. Il reviendra. » Et ce texte décrit l'ascension et la Pentecôte de Jésus. Elle faisait partie des trois fêtes annuelles pour lesquelles tout le peuple devait se rassembler à Jérusalem. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles.
Et la célébration de la Pentecôte comporte l'offrande des prémices, la fête des moissons. Trouvez ça dans le livre du Lévitique, chapitre 23, et au verset 20, et d'autres versets qui entourent. La venue du Saint-Esprit, ce jour-là, le présente comme correspondant aux prémices de l'héritage du croyant. Paul va préciser ça dans 2 Corinthiens 5:5, Éphésiens 11, Éphésiens 14. Les personnes ajoutées à l'Église à cette occasion étaient aussi les prémices de la grande moisson qui comprend tous les croyants sauvés depuis lors. Et si on comprend le sens et le but profond de la résurrection du Christ, de l'ascension du Christ, de la Pentecôte, eh bien on prend conscience de l'importance de vivre dans l'attente de son retour. Est-ce que je vis dans l'attente de son retour? Oui, dans mon fort intérieur, mais en réalité, pas tout à fait quand même. En tout cas, pas tous les jours. Ça veut dire quoi, vivre dans l'attente de son retour, finalement? Ce n'est pas si simple à répondre. C'est quoi vivre dans l'attente de son retour? Est-ce que c'est se cacher dans une grotte? Est-ce que c'est vivre en ermite sur une montagne? Est-ce que c'est cesser toute activité? Car de toute façon, Jésus revient, donc pourquoi se fatiguer? À quoi bon? Bien sûr que non. Moi, je me souviens toujours d'un ami, je devais avoir 25 ans, qui avait dit il était persuadé du retour de Jésus, et c'était très bien, c'était juste. Mais il était parti dans cette idée que ça ne servait à rien de fonder une famille, que ça ne servait à rien d'avoir des enfants, que ça ne servait finalement à plus rien. Il vivait dans cette attente, mais... Et finalement, on est plus de 25 ans plus tard, même 30 ans plus tard, tiens, ça me vieillit, mais... Et on est toujours appelé à vivre dans l'attente de son retour. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet ami, si finalement, par dépit, il s'est marié ou j'en sais rien, ou il s'est dit, ça vaut peut-être quand même la peine de voir un avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Se rappeler aussi que son retour est annoncé depuis le début, dans Matthieu 24, 40 à 51, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Je vais m'arrêter là. Il y a cette promesse, son retour finalement dans cette attente. Dans cette attente de son retour, mais tout en travaillant, tout en faisant fructifier finalement ce qu'il nous a donné. Et vous avez entendu, lorsqu'on a lu Acte 1:8, on connaît ce verset, où il nous dit qu'on recevrait une puissance, le Saint-Esprit, dans le but d'être des témoins, dans le but d'annoncer. Et oui, il y a cette promesse de son retour. Et le verset 11 d'Acte 1 nous rappelle la promesse glorieuse de Jésus. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Il y a cette promesse. C'est fou de se dire qu'aux disciples qui le regardent, j'imagine qu'ils pensaient qu'ils allaient le revoir venir de la même manière. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière. Et cette promesse, c'est la fondation de notre espérance en tant que chrétien. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui pour nous que pour les disciples qui se sont dit « mais on n'a rien compris ». Non, c'est un état d'esprit vivre dans l'attente de son retour. Comme si, eh bien, il venait comme ça sans s'y attendre, comme un voleur. On ne peut pas dire « ah ben je me prépare pour dans 3 semaines ». Non, c'est peut-être cette nuit.
Et cette promesse, c'est la fondation de notre espérance en tant que chrétien. Le retour de Jésus, ce n'est pas une simple supposition ou une théorie, mais une vérité inébranlable énoncée par Jésus-Christ lui-même. Il est parti, mais il reviendra, non pas en secret, mais de la même manière que ses disciples l'ont vu monter au ciel. Est-ce qu'on va l'attendre ? J'imagine que les disciples l'ont regardé partir. Si c'est dit que c'est de la même manière, on le regarde revenir finalement. Imaginez l'excitation, l'impatience des disciples alors qu'ils regardaient Jésus s'élever vers le ciel. Cette même impatience devrait animer nos cœurs alors qu'on attend son retour glorieux. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans ce monde, quand on entend aussi les médias, on est conditionné dans un monde anxiogène aussi. Aujourd'hui, s'il y a un événement qui se passe de l'autre côté de la Terre, après 2 secondes, on le sait déjà. On me dit, il y a 100 ans en arrière, peut-être qu'une fois que l'information venait à nous, ben, c'était déjà passé depuis belle lurette. Hein. Depuis très longtemps, l'information était passée, voire dépassée. Maintenant, on a plein d'informations qui nous viennent dans notre petite tête, dans notre petit cerveau, et on n'est pas toujours en mesure de capter tout ça. Même ce qui se passait au Moyen-Orient, je pense qu'on ne l'aurait pas su. Là, on l'a su en direct, on a vu des images en direct qui se passent, mais si on avait vécu il y a 100 ans en arrière, on l'aurait su peut-être 6 mois après, ou peut-être même pas. Peut-être même pas. Notre attitude, alors, dans l'attente, notre attente du retour de Jésus, je ne vais pas être passive, mais active et vigilante. Jésus nous a donné des signes et des instructions pour se préparer à son retour. Comme les disciples ont attendu la promesse du Saint-Esprit après l'ascension de Jésus, eh bien on est aussi appelé à attendre avec foi et vigilance la réalisation de sa promesse de son retour. Et ça implique la prière, la méditation sur sa parole et une vie sainte et juste. Il y a ce chant qu'on a chanté, qui est aussi le verset de l'année, Luc 1, 73-75, qui dit « En effet, Dieu a fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. » Là aussi, c'est Jésus qui a donné cette parole. Dieu a fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir de notre ennemi. Pourquoi ? Afin de le servir sans crainte et de marcher devant lui dans la sainteté et la droiture, occasionnellement dans nos... Non, tous les jours de notre vie. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans la pensée du Christ, de marcher en tant que fils à papa. Oui, on peut le dire. En tant que fils à papa. Des fois, on dit ça péjorativement, négativement. « T'es un fils à papa, toi. » Ben oui, là, c'est bien de le dire. Vous êtes des fils à papa, tiens. Je n'avais pas pensé à ce truc-là. Même en prêchant, il peut sortir des trucs intelligents. Pensez à un voyage que vous attendez avec impatience, vous préparez en conséquence, vous préparez chaque détail, chaque événement. Je me souviens le voyage en Israël, là, qu'on préparait. Ça faisait quasiment une année qu'on le préparait, qu'on avait tous les détails, tous les trucs, tout était préparé. Juste la guerre qu'on n'avait pas anticipée, mais tout. Pendant 9 mois, une année, on avait préparé, fait la pub, enfin, veillé à tout. Est-ce que je suis dans cette même attente ? Oui, quand même un petit peu, mais comme sur un carnet de notes, c'est bien, mais peut mieux faire. Et finalement, vivre dans la lumière de son retour, l'attente du retour de Jésus ne devrait pas nous remplir de peur, mais de joie et d'espérance. Ça devrait impacter aussi notre façon de vivre ici et maintenant. Vivre dans la perspective de son retour signifie être des témoins fidèles de son amour, de la vérité. Vivre dans l'attente de son royaume à venir et être prêt à le rencontrer à tout moment.
Dieu a fait le serment de nous libérer du pouvoir de nos ennemis, qu'on puisse le servir sans crainte, qu'on puisse vivre dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Dieu a fait le serment. Et c'est possible, eh bien, de mener une vie pure sur cette terre, mais en restant Christ, en restant Christ. Autrement, ce n'est pas possible. Imaginez un invité de marque qui va venir chez vous, vous préparez votre maison, vous vous préparez personnellement, vous attendez avec joie, peut-être vous allez passer l'aspirateur, vous allez récurer ou engager quelqu'un pour le faire, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, ça sera fait. Jésus, est-ce que c'est cet invité de marque aussi dans ta vie ? Dans ta vie. Nous aussi, qu'on puisse vivre dans la lumière, dans l'attente du retour de Jésus, prêt à le recevoir avec joie et reconnaissance. Alors, en conclusion, mes frères et sœurs, alors qu'on attend ce retour glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ, que ça façonne aussi chaque aspect de notre vie. Chaque aspect. Qu'on puisse l'attendre au moins autant que ce qu'on prépare nos prochaines vacances ou à l'achat de notre prochaine maison ou j'en sais rien, notre prochaine voiture. Essayons de tout notre cœur de vivre dans la lumière de son retour avec foi, avec une ardente préparation, sachant qu'il viendra selon sa promesse. On l'a lu, on l'a dit dans ce texte des Actes des Apôtres. Vivre dans l'attente du retour du Christ, c'est une attitude de foi dynamique qui nous transforme, qui influence chaque aspect de notre vie, qui devrait en tout cas influencer chaque aspect de notre vie. Alors voici ce que ça signifie. J'ai parlé de la promesse de son retour, vivre dans l'espérance et la certitude. Ça signifie eh bien, qu'on croit fermement aux promesses établies dans la parole de Dieu, de toute éternité. On a une confiance absolue en sa parole. On vit chaque jour avec cette certitude de son retour et que son retour est prêt à se réaliser et qu'on sera des témoins de son retour glorieux. Notre attitude, on a vu aussi, c'est vivre dans la préparation, vivre dans l'attente du retour de Jésus nous pousse à nous préparer activement, à nettoyer la maison. Souvenez-vous, et on en parlera certainement dimanche prochain, notre corps a c'est le temple du Saint-Esprit. Nettoyer la maison, c'est nettoyer notre corps. Pas juste l'extérieur, mais l'intérieur. Et là, ce n'est pas possible d'engager une femme de ménage. Par contre, il y a une personne que vous pouvez inviter, pas engager, mais inviter, c'est Jésus. Et ça implique de vivre une vie de sainteté, de droiture, en restant fidèle à Dieu dans nos pensées, nos paroles, nos actions. Vous me direz, mais ce n'est pas possible, retombe sur terre, on est dans un monde sans Dieu. Oui, Dieu a fait le serment, car Dieu a fait le serment. Dieu a fait le serment. Abraham, notre père, c'est vieux, hein? Notre père, vous avez Abraham pour père. C'est vieux. Hein? Dieu a fait le serment à Abraham, notre père, nous libérer du pouvoir des ennemis et nous permettre de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Vous croyez à ce verset ? C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus. Si vous ne croyez pas, adressez-vous à Jésus. Et demandez-lui de croire. Si Dieu a fait le serment de nous permettre, c'est que c'est possible. Mais pas par vos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. On est dans cet état de préparation spirituelle. C'est vivre aussi dans l'adoration et la louange. Comme les apôtres, les disciples sont partis à Jérusalem pour prier, pour louer Dieu, dans cette reconnaissance. Notre attente du retour de Jésus eh bien, nous pousse à vivre dans une attitude d'adoration, de louange. On reconnaît sa souveraineté, sa majesté. On se réjouit à l'idée de le voir face à face. Et notre vie est marquée d'une adoration fervente par son amour inconditionnel. Et finalement, on a vu aussi vivre dans la lumière de son retour. C'est vivre dans l'attente du retour de Jésus qui nous remplit de joie.
Je vois votre joie sur votre visage. Vous sautez de joie sur vos chaises. C'est très intérieur. On est pudique, on est suisse quand même. Même si on a prié en plusieurs langues ce matin, on reste très suisse intérieurement. Et c'est vrai qu'il y a cette joie. Et je me questionne moi-même. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Je m'excuse. C'est la joie. C'est pas interdit d'être dans une église et d'être joyeux. Autrement, il faut enlever le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie. Tiens, c'est le deuxième. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Et c'est possible d'être joyeux en étant chrétien. Rassurez-vous. Et cette pensée de son retour nourrit notre espoir et notre joie au milieu des défis, des difficultés de la vie terrestre. Vivre dans l'attente du retour de Jésus nous pousse à vivre avec un sens de mission et de témoignage. On est revêtu d'une mission, partager une bonne nouvelle. Imaginez si tu partages une bonne nouvelle à quelqu'un avec une tête d'enterrement. Mais elle est où la bonne nouvelle? Moi, je ne veux pas de ta bonne nouvelle. Je vais aller au bistrot du coin et puis faire la fête. On est conscient eh bien, que le temps est court et qu'on a une responsabilité envers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur. En résumé, vivre dans l'attente du retour de Jésus est bien plus qu'une simple croyance. C'est un mode de vie qui nous fait vibrer dans la foi, dans l'espérance, dans la préparation, dans l'adoration, et conscient de cette mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Waouh! Alors pour être un meilleur témoin, j'ai encore besoin de me préparer. Même si je suis le pasteur de l'Église, j'ai besoin encore de me préparer, et de me préparer encore, et de me préparer encore. Parce qu'il y a encore du job. Ma femme pourra le dire. Et c'est une manière de vivre qui transforme nos cœurs, nos esprits, nos actions, alors qu'on s'engage dans cette merveilleuse promesse de la venue du royaume de Dieu. Oui, si je dis ma femme peut le dire, parce qu'elle, elle me voit aussi à la maison. Vous, pas toujours. Même si vous êtes bienvenue chez nous. Mais tel que je suis avec du monde, je dois être aussi en privé. C'est ça aussi, vivre dans l'attente du retour de Jésus. Alors oui, c'est possible, tu peux projeter Luc 1, 73-75. En effet, Dieu a fait serment à Abraham, notre père, nous libérer du pouvoir des ennemis et nous permettre de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. C'est possible. C'est possible jusqu'à son retour. Amen. 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 Vous voulez être des chrétiens tristes ou des chrétiens heureux? Heureux. Dans l'attente de son retour. Et c'est possible. Les gens, ils se réjouissent. On entend, nous, on est au quartier, là, au carrefour à Fuy. On entend les gens qui font la fête, surtout l'été. Mais c'est possible d'être heureux sans avoir consommé tout ce qu'ils consomment. Je vous promets. Et c'est une joie durable qui, le lendemain matin, ne crée pas des maux de tête. Non, mais c'est vrai. Et dans les églises, parfois, on montre un poids d'une lourdeur. Mais ce matin, eh bien, on peut venir à la table de la Sainte-Seine aussi en disant, mais Dieu a tout payé pour nous libérer de cette puissance de l'ennemi, pour marcher sans crainte tous les jours de notre vie. Peut-être vous dites, mais pasteur, tu ne sais pas ce que je vis, ce que j'ai vécu, les drames que j'ai vécu. Vous connaissez suffisamment notre vie pour savoir que des drames, on en a vécu aussi. Et jamais la Bible nous promet d'être exempt de drames et de difficultés. Par contre, elle nous promet la paix, elle nous promet l'amour,
Elle nous promet la grâce, elle nous promet la compassion, elle nous promet le pardon. Et ce matin, eh bien, vous pouvez venir puiser à cette table, recevoir tout à nouveau le pardon, recevoir la grâce, recevoir la force de pardonner aussi. Par vous-même, des fois on dit « il faut que tu pardonnes », mais c'est terrible, il faut que. Dans certaines situations, c'est juste pas possible de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pas possible d'appliquer ce texte tel que sans comprendre que tout nous vient de Dieu. Et Jésus a tout accompli pour que ce soit possible. Par moi-même, par vous-même, à part si vous êtes soit suffisamment crédule ou soit suffisamment présomptueux, c'est pas possible par soi-même. Mais c'est Dieu qui nous rend capables de nous libérer des ennemis, de nous permettre de le servir sans crainte, de nous permettre de pardonner, de nous permettre d'aimer. C'est possible grâce à lui. Penser, agir, aimer. Alors, il faut que tu pardonnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est possible en même temps en étant en Christ. Parce que Dieu a fait le serment de nous libérer. Notre ennemi est l'ennemi. L'apôtre Paul va dire, c'est pas des gens, c'est pas la chair et le sang, mais c'est des puissances, c'est le diable dans les lieux célestes. Si on a compris que l'ennemi, c'est pas des gens, c'est pas des personnes. Et souvent, on prend des personnes pour nos ennemis. Mais l'ennemi, c'est celui qui anime des personnes et qui vient dans des personnes. Et finalement, notre ennemi, c'est pas des personnes, mais c'est le diable. Et seul Jésus nous libère la puissance du diable. Amen. Tout est accompli par Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu reviens bientôt. Merci parce que cette table de la Sainte Seine, ce repas, Seigneur, eh bien, on le prendra un jour avec toi. Et merci parce que dans cette attente, eh bien, ce repas est un repas aussi du souvenir. Que ton sang a coulé, que ton corps a été brisé. Et Seigneur, que tu nous as libérés du pouvoir de notre ennemi, afin qu'on puisse marcher libre, sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, capable d'aimer, capable de pardonner, capable d'accepter ton pardon aussi. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, peut-être certains qui n'arrivent pas à se pardonner telle ou telle chose, ben, Seigneur, qu'ils puissent recevoir ce matin ton pardon et ta grâce. Seigneur, ce n'est pas eux qui vont pouvoir se pardonner, mais toi, tu les as pardonnés, Seigneur. Tu leur as pardonné. Béni soit ton nom, Jésus. Que ce pardon coule dans leurs artères, dans leurs veines ce matin, Seigneur. Qu'ils soient imbibés, submergé, Seigneur, par ton pardon et par ta grâce. Et ce pardon et cette grâce, on ne pourra jamais rien faire pour le mériter. C'est un don. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.